Je reviens sur les PPA et les goûts dont a parlé Madame Estrosi Sassone. Pourquoi introduisez-vous le préfet dans cette procédure? Si on veut accepter l'idée qu'il y a un certain nombre de grandes opérations d'aménagement et d'urbanisme qui, à l'échelle d'une agglomération, nécessitent d'avoir des dérogations et des régimes particuliers, pourquoi vous ne laissez pas la commune et l'intercommunalité s'en débrouiller entre elles? Il existe dans les intercommunalités ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. Il existe des majorités qualifiées quand il y a nécessité d'aller au-delà d'un certain nombre d'égoïsmes particuliers, si tel était le cas. Pourquoi voulez-vous introduire le préfet? Surtout qu'on a entendu certains professionnels de l'immobilier dire c'est une première manière de remettre en cause le permis de construire du maire. Le permis de construire du maire, c'est un des fondamentaux de la fonction de maire. Si vous y touchez, même avec une main tremblante, vous nous trouverez en face de vous, je vous le dis clairement.